Nils, une grosse déception avec une défaite 1-0. C'est votre première défaite, c'est le premier match où vous ne marquez pas de but. Qu'est-ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille ce soir pour rentrer avec des points? Un peu tout. Je pense qu'on a raté notre première mi-temps, que ce soit avec le ballon et sans ballon au niveau engagement. Ils ont été plus agressifs que nous et après c'est compliqué quand on court derrière le score de à chaque fois revenir. Je pense que c'est une bonne piqûre de rappel pour tout le monde. On est déçu ce soir, mais la saison est longue et on sait qu'il y aura des moments difficiles. C'en est un ce soir. Il y en a eu quand même aussi des occasions pour vous. Toi, tu en as eu une aussi qui est belle, que tu t'amènes bien. Mais bon, voilà, le petit brin de chance aussi, dans ces moments-là, n'a pas tourné en votre faveur. Ouais, je dirais pas que c'est de la chance, mais je pense que on a pas été. On a eu peu d'occasions aujourd'hui, mais on en a une ou deux. Sinon, Mason, le gardien, il fait un bel arrêt. Moi aussi, il fait un bel arrêt. Je peux marquer aussi et ça aurait changé le match. Mais je pense que ça, ça vient du fait qu'on n'a pas été présent et qu'on a raté notre première mi-temps, malheureusement. Et Strasbourg a joué crânement leur chance. Ils ont été bons, ils ont été plus agressifs que nous avec et sans le ballon. Et ça a fait la différence. C'est vraiment sur l'impact que ce soir vous êtes battu, je dirais. C'est compliqué, là on vient de finir le match, donc je n'ai pas encore tout revu. Mais j'ai le sentiment qu'ils étaient tout simplement plus agressifs que nous. Surtout en première mi-temps. Ils faisaient beaucoup de marquages individuels et quand c'est comme ça, si on ne gagne pas nos duels ou nos 50-50, de suite ça devient compliqué. Et je pense que j'ai le sentiment en tout cas que c'est ce qui s'est passé, surtout en première mi-temps. Et ils en ont profité, ils ont marqué et puis après on court derrière le score et Strasbourg est une très bonne équipe. Donc voilà, ça a été compliqué ce soir. Ça vous coupe dans l'élan, on en parlait avec le coach avant-hier, il se méfiait de l'après-Lyon et de l'après-début de saison, on avait parlé apparemment. Ça vous coupe un peu dans l'élan de ce que vous proposiez jusqu'à présent? Personne ne s'attendait à ce que l'OM tombe de cette manière. Bien sûr que ça nous coupe, mais on était prêts, hein. On était bien préparés. Le coach, dès le début de semaine, nous avait mis en garde par rapport à ce match et cette équipe de Strasbourg. Donc on était prêts, on a bien travaillé cette semaine. Et je pense qu'on est passé à autre chose depuis la semaine dernière, mais c'est juste que ce soir, on n'a pas fait ce qu'il fallait et on le paye directement, quoi, parce que Strasbourg, c'est, comme je l'ai dit, c'est une bonne équipe. Et si on n'est pas à 100% prêt et qu'on ne se donne pas les moyens de faire un résultat, on est puni.